Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes super en forme. On se retrouve donc aujourd'hui pour notre nouveau live créatif pour réaliser une carte W. Bonjour Dominique. Encore une fois, je vous propose une carte hyper simple. Vous allez voir. Rapide à faire et puis en plus vous allez pouvoir utiliser plein de choses après, en faire plusieurs modèles et ça aura un effet complètement différent selon ce que vous allez utiliser. Donc vous allez voir, ça va être top. Coucou Fabienne. Coucou Corinne. Je me demandais comment tu allais, je pensais à toi ce matin. Fabienne, je suis ravie que ça vous plaise. J'espère que vous avez commencé à créer du coup. Alors, comme il y a des nouvelles parmi vous, je vais quand même me présenter. Je suis donc Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier de cette année. Et voilà, depuis quelques temps, je fais des lives pour pouvoir partager et échanger avec vous. Même grâce au réseau, en fait, on peut rencontrer des gens vraiment super et puis avoir des échanges hyper agréables. Bonjour Yvette. Voilà, j'ai quelques échanges déjà avec quelques-unes parmi vous. Et je trouve ça super agréable, en fait, on ne s'est jamais vu en vrai, mais voilà, on discute, on échange, on parle d'un peu de tout, aussi beaucoup de scrap, hein, bien sûr. Coucou Sandra. Donc c'est vraiment sympa. Nous allons avoir, à partir du 1er septembre, d'ailleurs je vais faire un petit clin d'œil à Laurence, à partir du 1er septembre, pour les personnes qui souhaiteraient devenir démonstratrices et donc bénéficier des nombreux avantages que nous avons, Stampin' Up! Nous offre encore une fois une promotion pour les nouvelles démonstratrices, des superbes cadeaux. Bonjour Evelyne, ça y est, vous avez trouvé, génial. Coucou Geneviève. Oui, les lives. Oui, Fabienne aussi, c'est vrai. Oui, on discute aussi, c'est sympa. Donc, je disais, donc encore une fois, une promotion avec des super cadeaux, notamment deux sets de tampons complets, hein, comme ceux que vous voyez derrière, des papiers, des embellissements. Voilà, de quoi, en fait, bien démarrer lorsqu'on veut être démonstratrice, simplement aussi pour soi. Hein. Ça peut être simplement pour soi, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes démonstratrice, de faire comme moi des lives, des tutoriels, hein, suivre un blog, etc. Aucune obligation. J'ai d'ailleurs essayé de rassurer Laurence comme ça ce matin. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet. Et d'ailleurs, pour mon plus grand bonheur, elle va devenir ma filleule. Donc, j'attends le 1er septembre avec impatience et elle aussi, je crois. Voilà. Si certaines parmi vous ont envie de se lancer et puis voilà, pouvoir profiter des produits... des petites infos en avance, etc. Ça peut être sympa. Je vais vous montrer là tout à l'heure les deux sets de tampons qui sont offerts. Donc, ils sont dans le catalogue. C'est des sets de tampons que je n'avais pas encore. Donc, je les ai commandés pour pouvoir vous les présenter. Voilà. Alors, revenons quand même sur le sujet de cette vidéo. Donc, la création d'une carte W. Coucou Louison. Une carte W. Donc là, comme d'habitude, avec ma caméra, vous allez la voir à l'envers. Mais je vais la retourner, hop, comme ceci, vous voyez, d'où le W. Donc, hyper simple à faire. J'en ai fait une deuxième hier, et cette fois dans les tons de vert, avec le ruban que j'ai fait passer tout autour de la carte. Contrairement à la première, où mon ruban, en fait, ne passe que sur la partie avant. Vous voyez, il n'est pas, hop, il ne fait pas le tour de la carte. Pour celle-ci, j'avais envie qu'il apparaisse à l'arrière. Donc, du coup, ça permet de fermer un petit peu plus la carte. Donc là, vous ferez comme vous voulez. Hein. Vraiment aucune obligation. Hop, je l'ouvre. Et voilà, donc là, ici, dans les tons de vert, avec la collection Feuillage Sauvage, j'ai embossé les feuilles ici avec de la poudre dorée. Ça change complètement le style de la carte. Comme quoi, avec quelques pliages et la même carte, le même tutoriel, en fait, on peut vraiment faire plein de choses et donner un style totalement différent à nos cartes. Sympa, hein? Je vais tourner ma caméra, après vous allez voir beaucoup mieux. Quant au matériel, eh bien, comme d'habitude, vous aviez la liste dans les vêtements. Je vais rappeler de toute façon, comme d'habitude, toutes les dimensions
Excusez-moi, toutes les dimensions des papiers dont vous aurez besoin, les papiers unis, le papier design, merci beaucoup, Tata Ginette, c'est difficile à dire. Merci Corinne. Donc voilà, eh ben, écoutez, je vous propose que je retourne ma caméra, comme ça je vais pouvoir vous montrer les sets de tampons qui sont offerts aux démonstratrices, vous montrer les cartes dans le bon sens, ça va être plus pratique, d'accord? Et puis on va commencer très rapidement la réalisation de cette carte. C'est parti, allez, on y va. Alors, je vais commencer par vous montrer les cartes dans le bon sens. Voilà, merci Geneviève. Donc la première, celle que je vous avais donc montrée pour l'événement, voilà. Donc ici, je vous avais marqué tout simplement, donc pour ces papiers-là, soit que du papier design, soit alterné, comme moi je l'ai fait, avec du papier blanc. Bonjour Cécilia, ça va? Avec du papier blanc et puis un petit tamponnage, donc soit une fleur, ou vous pouvez aussi très bien mettre ici des sentiments. Moi, je les ai mis ici, mais rien n'empêche de les mettre là. Coucou Aude, merci ma belle, c'est gentil. Donc voilà, et puis pour la seconde, donc comme je vous disais, j'ai fait passer le ruban à l'extérieur pour celle-ci. Voilà, donc ça permet de fermer la carte. Et là, nous sommes donc partis sur la collection Feuillage sauvage, avec, comme je vous disais, l'embossage à chaud ici pour les feuilles. Et vous voyez, les tampons sont tellement précis qu'on voit vraiment même les détails, même à l'embossage à chaud. Donc ça, je trouve ça vraiment super sympa. Donc vous voyez, deux modèles complètement différents. Merci Christiane, c'est gentil. Voilà. Alors, je vous montre, merci Isabelle, je vous montre rapidement donc les deux sets de tampons qui seront offerts. J'ai plein de post-it dans ce catalogue. Bonjour Andy. Donc, le premier, hop, je vais enlever ça, oui, il colle bien. C'est pas celui-ci. Le premier set de tampons qui est offert aux démonstratrices, c'est donc ceci. Magnifique, n'est-ce pas? Le set de tampons s'appelle Temps d'amour. Donc celui-là, vous voyez, il est déjà à 24 euros. Donc il vous est offert lorsque vous devenez démonstratrice. Donc le set de tampons Temps d'amour. Mais il y en a bien un deuxième. Et le deuxième, c'est... Oui, les post-it, oh, j'en ai plein, c'est une horreur. Certains sont marqués, hein? Et le second, c'est d'antenne. Ouh, je bafouille aujourd'hui. Le deuxième set de tampons, c'est celui-ci. Alors, il a un nom juste extraordinaire. Dentelle de la reine Anne. Déjà, rien que le nom, je trouve que c'est top. Et celui-ci, vous voyez, 21 euros. Donc déjà, vous avez un cadeau, rien que ça, avec les deux sets de tampons, à 45 euros. Comme quoi, hein, ça vaut le coup. Pire que toi, Aude? Ah, bah écoute, hein, ça fait un petit moment, d'ailleurs, il commence à être un petit peu usé. T'as vu, voilà, je pense que je vais finir par les plastifier. Mais là, quand même. Enfin, voilà. Merci Dominique, c'est gentil. Alors, je vous montre juste ça donc pour la promo qui commencera le 1er septembre. En plus des deux sets de tampons que je vous ai montrés, vous aurez aussi les bijoux classiques du rat. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Il me semblait en avoir. Ouais, voilà. Vous voyez, ils ont déjà beaucoup, beaucoup servi. Voilà, donc vous avez un paquet comme celui-là. Et puis, vous avez de quoi réaliser 8 cartes avec du papier, donc Grenouille Guirette et Copacabana. Donc, vous avez droit à tout ça, en plus de tout le reste, hein. Voilà, bon, je vous laisse tranquille avec ça. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez déjà des infos sur mon blog pour savoir comment devenir démonstratrice. Et je ferai un article donc sur ça, mais vous êtes les privilégiés, vous êtes les premières à avoir l'info pour celles qui me suivent. Voilà. Oui, Jess, ça vaut le coup, effectivement, ma belle. Ok, alors je vous propose que nous commencions enfin la réalisation de ces cartes. J'ai repris pour la réalisation avec vous, j'ai repris la collection Piwan Pensive. Parce que comme je vous le mettais sur l'article, c'est vraiment une collection que j'adore, vraiment. Ça a été mon premier coup de cœur lorsque j'ai découvert le nouveau catalogue annuel. Vraiment, c'est la collection sur laquelle j'ai tout de suite craqué et dans laquelle voilà, que j'ai tout de suite commandé quand j'ai pu le faire. Voilà.
J'ai repris ici mon principe de deux papiers design et deux papiers blancs sur lesquels j'ai tamponné en fait deux petites fleurs qui font partie aussi d'un set de tampons avec la perfo adaptée. Voilà, ça vous aurez les infos dans l'article de blog si ça vous intéresse. Les papiers design et donc tous les papiers pour la création de la carte. Alors, nous allons prendre la base de la carte. C'était donc du papier uni qui mesurait 27,9 cm par 10,8. Ok? 27,9 par 10,8. Donc, quand vous avez ce papier entre les mains, vous venez simplement faire un pli à 14 cm. Vous allez voir, c'est encore très très simple. Donc, je répète, le papier fait 27,9 par 10,8 et un pli à 14 cm. Donc, le mien est déjà fait. Donc, vous posez votre papier à l'horizontale comme ceci et vous venez marquer votre pli à 14 cm. Jusque-là, encore une fois, rien de compliqué. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, on va commencer par l'intérieur. J'ai pris ici deux morceaux de papier blanc, en l'occurrence le Murmure blanc. Voilà, c'est le papier avec lequel je travaille. À chaque création, j'utilise le Murmure blanc. C'est du papier qui est idéal pour les tamponnages, même pour la colorisation avec des feutres à alcool. C'est vraiment l'idéal, ce papier. Il est légèrement lisse. Un vrai bonheur. En fait, toutes les démos travaillent un maximum avec ce papier parce qu'il peut même servir aussi pour faire des bases d'albums. Donc vraiment le top. Ces deux morceaux de papier qui vont donc à l'intérieur de notre carte mesuraient tous les deux 13,35 par 10,15. 13,35 par 10,15. Donc vous savez, hein, quand c'est 15, ben, il faut caler votre papier entre 10 et 20, tout simplement, entre 1 et 2. Donc 13,35 par 10,15 cm, ça ce sont les mesures pour les deux papiers blancs qui vont à l'intérieur de notre carte. Je vous avais demandé également de préparer un morceau de papier uni, en l'occurrence une bande de papier, qui mesurait 27,9. Donc si vous avez bien réagi, elle fait cette bande la même longueur que notre carte. 27,9 par 4,45. Eh bien, cette bande, tout simplement, va servir au mécanisme du W. Voilà. Et pour cela, il va simplement falloir faire 3 plis. Ni plus, ni moins, 3 plis. Et le plus gros, en fait, de votre carte W sera fait. Donc, la bande, 27,9 par 4,45 cm, avec 3 plis que nous allons faire ensemble. Le premier pli se fait à 7 cm, le second à 14, 7 cm, 14 cm et le dernier à 21 cm. Voilà, je vais mettre mon coupe-papier de côté puisque je n'en ai plus besoin. Voilà, je vais enlever ça. Donc, pour les retardataires, je répète, la base de carte 27,9 par 10,8, un pli à 14 cm. Pour l'intérieur de la carte, deux morceaux de papier de 13,35 cm par 10,15 que nous viendrons coller ici à l'intérieur. La bande de papier qui servira au mécanisme du W qui mesure 27,9 cm par 4,45. Nous venons marquer juste 3 plis, 7 cm, 14 cm, 21 cm. Nous venons commencer à marquer les plis. Vous voyez, le W est fait. Tout bête, hein? Et pour venir poser ce papier, nous allons utiliser du double face. Alors nous allons commencer à le poser sans le coller tout de suite sur la carte. Et je vous montre.
C'est vraiment, encore une fois, très simple. Donc là, vous avez votre bande. Je vais venir mettre ma bande à l'envers. Ici, je vais simplement mettre deux morceaux de double face, un de chaque côté dans le sens de la longueur. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle viendra ensuite se poser comme ça, collée aux deux bords, aux deux extrémités gauche et droite de la carte. Ok ? Donc, nous avons notre bande, nous la retournons et je viens mettre un morceau de double face ici, à l'arrière, et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Donc ça, ça sera donc pour coller notre bande qui fera le mécanisme du W sur l'intérieur de la carte. Je retourne ma bande. Et si je vous remontre le modèle, vous voyez, donc ici en gris, c'est ma bande de papier. Et ensuite, on va venir coller nos petits panneaux. Donc, pour gagner du temps, nous allons venir poser du double face sur la bande. Attention, quand vous allez poser votre double face, ne collez pas le double face bord à bord, puisque vous voyez, vous avez de l'espace de chaque côté des panneaux. Donc, je vous conseille de mettre deux petits morceaux en haut et en bas sur la bande, d'accord ? Mais ne pas aller jusqu'au pli, sinon votre double face va déborder et ça fera beaucoup moins joli. Alors, je me lance. Voilà, j'essaye de centrer. Je ne vais pas jusqu'au pli. On est sûr, comme ceci, que ça tiendra bien. Et là, comme ce sont simplement des rectangles, c'est pas très compliqué à poser. On va moins peiner que si c'était à s'assurer que... Enfin, on va pas peiner pour l'aligner et que ce soit droit. Le double face 1 cm, oui, ça peut aller, hein, Isabelle. Le mien est un peu plus petit, mais il suffit d'en mettre un petit peu moins. Du moment que ça ne déborde pas, en fait, il n'y a aucun souci. C'est juste ça. Hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne dépasse pas quand vous allez poser vos petits panneaux, en fait. Voilà. Hop. Et sur la dernière partie, comme ceci. Si je prenais ça, en fait, c'est drôlement plus pratique. Voilà. Je m'assure que mon double face adhère bien à mon papier. Comme ceci. Bonjour Virginie. Ça va aujourd'hui? Voilà. Hop. Je vais revenir marquer correctement mes plis cette fois en m'assurant que ce soit bien aligné de chaque côté. Voilà, que la bande soit pliée bien droit. Voilà. Ok. Donc là, donc le W, il est tourné vers vous. La pointe est tournée vers vous quand on va coller. Ok ? Parce que vous voyez, quand elle est ouverte, elle viendra se coller comme ceci. Pensez-y quand vous allez vouloir coller. Alors, je vais venir coller. On peut redonner les mesures du blanc. Oui, bien sûr. Sandrine, coquine. Promis, je dirais rien. Alors, Popo, oui, bien sûr. Alors, les papiers blancs de l'intérieur faisaient 13,35 par 10,15. 13,35 par 10,15. Donc, deux fois ces papiers-là ici. Ok? C'est bon? Alors, je viens maintenant vous redonner les mesures pour les panneaux. Il nous fallait 4 papiers unis. Ok, de 7 par 5,7 cm. Sandrine, avec plaisir, il faudra penser à me montrer votre création. Donc les panneaux, il en fallait 4, du papier uni,
7 par 5,7 cm qui viendront évidemment se mettre sur la bande. Pour ce qui est de la décoration, donc je vous disais tout à l'heure, vous pouviez soit prendre 4 morceaux de papier design, tout à fait possible, ou faire comme sur mon modèle, c'est-à-dire alterner deux papiers design et deux papiers blancs, comme j'ai fait ici, sur lequel j'ai fait des petits tamponnages. Vous voyez, comme ceci. Là, c'est vraiment selon... Coucou Sophie, comment vas-tu? Là, c'est vraiment la déco que vous souhaitez faire. Donc, soit uniquement du papier design, soit une alternance de papier design et de tamponnage sur du papier blanc. Ok? Donc, le papier design pour qui vont, enfin, de ceux qui vont venir se coller sur les panneaux mesure 6,45 par 5,1 cm. 4 fois 6,45 fois 5,1 cm. Et une fois que ces papiers sont coupés, en fait, il vous suffit simplement de venir les coller sur vos panneaux. Alors, je vais venir coller ceci. Alors, le papier uni, c'est brune dune ou sable du Sahara. Alors, celui-ci, Dominique, ni l'un ni l'autre, c'est le gris granit, celui-là. C'est celui qui est coordonné, en fait, à la collection Pivoine Pensive. Il y a deux gris hein, qui sont coordonnés avec cette collection, le gris granit et le gris souris également, voilà, pour celui-ci. Donc là, ici, j'ai utilisé le gris granit. Et pour le papier un petit peu rose, ici, c'est le papier pétale de rose, pareil, qui est coordonné à la collection Pivoine Pensive. Alors, je viens rapidement coller donc mes petits morceaux de papier sur mes panneaux. Ici, la colle suffit. Hein. Voilà. Donc, on s'assure de bien centrer, évidemment. J'étais en train de vous dire que si vous décidiez de mettre des tamponnages en fait, sur vos papiers blancs à l'intérieur de votre carte, réfléchissez un petit peu avant à la disposition de vos panneaux. Je vous explique pourquoi. Vous allez voir, selon mes deux modèles... J'essaye de reconnecter en même temps pour vous voir. Est-ce que je ne vois pas vos commentaires? Mais ça y est. Ça va être bon. Ok, ça y est. Les lutins devraient pédaler plus vite. Fabienne, j'aime beaucoup l'idée. Ok. Donc, je disais pour les tamponnages que vous mettez, petite pause café, oui, oui. Ici, sur ma carte feuillage infini, vous voyez, j'ai mis en haut, ici et là. J'ai alterné en haut, en bas, les panneaux quand je les ai collés. Cataline, oui, bien sûr, en replay, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, ça sera en un seul morceau sur le replay. Donc, quand vous allez décider de poser, en fait... Non, Sylvie, vous n'avez rien loupé. J'ai loupé quelque chose. Les quatre panneaux font quelle dimension? Je vous dis tout de suite, Sylvie. Donc quand vous allez coller vos panneaux sur la bande, décidez à l'avance de l'emplacement où vous allez les mettre pour pouvoir mettre votre sentiment si vous souhaitez en mettre. Sylvie, pour répondre à votre question, les panneaux de papier uni font 7 cm par 5,7 et il en faut 4. 7 cm par 5,7 cm, il en faut 4. Ok, alors... Je continue. Je tourne un petit peu le ventilo vers moi, j'ai très très chaud. Nous avons toujours notre base de carte. Nous avons collé les papiers unis à l'intérieur. Maintenant, nous allons venir coller notre bande W. Et pour cela, rien de plus simple, je viens simplement décoller la première bande ici. Voilà. Le but étant bien sûr d'essayer de centrer au mieux par rapport à votre carte. Vous allez au bord de la carte, vous laissez un ou deux petits millimètres, d'accord, par rapport à la droite. Flo, avec plaisir. J'espère que le replay sera téléchargé, mais en tout cas, j'y travaille, ne vous inquiétez pas.
Ok, donc je centre, on laisse un ou deux petits millimètres par rapport à la base de la carte. Donc en fait, en gros, c'est coller la bande de papier entre là, la partie droite de votre papier blanc et la base de votre carte. Et d'essayer de centrer au mieux. C'est vraiment une histoire d'un petit millimètre. Voilà. Ok? Donc, ça viendra comme ceci. Je viens ensuite, eh bien, de façon logique, défaire cette partie-là. Voilà. Là, évidemment, on s'assure de bien centrer. Là, je vais aller un tout petit peu plus près. Voilà. Vous voyez, ça va se fermer tout seul et ça rentre parfaitement dans notre carte. Bien. Maintenant que cette bande est collée, nous allons venir y poser simplement nos panneaux. Donc là, vraiment, vous les disposez comme vous le souhaitez, dans le sens que vous le voulez. Donc moi ici, je vais, comme j'ai mon sentiment en haut, je vais venir m'aligner au bord ici. Je vais alterner ici avec mon papier design en venant au bord ici. Hello Mika! Ici, j'alterne avec à nouveau mon tamponnage et ici mon papier design. On a même encore de la place ici pour écrire un petit mot, pour ajouter un tampon, un sentiment, comme on le souhaite. Donc là, tout simplement, on vient décoller la protection du double face. Donc même principe, centré et au bord de la bande. Voilà, bonjour Patricia. Et même principe pour la suite des autres panneaux. On enlève la protection, on colle le petit panneau, on alterne si on le souhaite ou pas. Vous pouvez aussi très bien les mettre sur la moitié, hein, comme ceci, tous alignés. C'est tout à fait faisable également. Ça, c'est vraiment un choix personnel selon votre décoration. Et puis, vous allez probablement en faire d'autres versions, j'imagine. Donc, vous pouvez aussi tester une carte avec les panneaux au centre, d'autres qui commencent par le haut ici ou inversement. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Là, il s'agit vraiment de vous montrer la base. Et après, la déco peut tout changer. Voilà, donc toujours on centre entre les deux plis, on vient se mettre au bord de la bande. Voilà, et mon dernier panneau. Là. Que je viens mettre ici. Et voilà. Hop, vous voyez, le W est terminé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nous allons maintenant nous attaquer au devant de la carte. Hop, coucou Karine. Coucou les deux Karine, d'ailleurs. Petit clin d'œil à l'autre Karine avec qui j'ai discuté ce matin. Donc, pour l'avant de la carte. Ici, il fallait un morceau de papier uni, donc pour le matage. Donc ici, j'avais pris du papier doré. Vous voyez, ça ressort drôlement. Ici, je suis restée sur le principe de mon papier gris granit, comme ici pour ma bande. Ce papier uni de matage mesurait 13,35 cm par 10 par 15, ni plus les mo ni moins. Que les mesures identiques au papier blanc qu'on a mis à l'intérieur. Donc le papier uni, 13,35 par 10,15, hop, qui vient se mettre sur l'avant de la carte. Et le papier design, ici, mesure 12,7 par 9,5. 12,7 par 9,5. Concernant votre ruban,
pour celles qui souhaitent ne pas fermer leur carte comme sur mon premier modèle. Je vous invite donc à entourer votre, de coller d'abord votre papier design sur votre papier uni, ok, et de mettre votre ruban autour de ces deux morceaux de papier en venant le faire tenir à l'arrière simplement par deux morceaux de papier double face, de scotch double face, ok, et de refaire un petit nœud sur le devant. Dans le cas où vous souhaiteriez que votre carte soit donc fermée par le ruban, comme sur ce modèle-là, prenez simplement un morceau de ruban beaucoup plus long. Ok, je vais vous montrer, je vais refaire ce modèle-là avec la carte qui se ferme. Et ici, j'ai donc d'abord collé mon papier uni. Et ensuite, j'ai passé mon ruban. Et ensuite, j'ai collé par-dessus mon papier design. Donc, je répète, si vous voulez fermer votre carte avec le ruban, prenez un ruban assez long. Ok, collez-le à l'arrière, au centre, avec du papier double face. Faites-le revenir par devant en collant votre ruban entre le papier de matage et le papier design. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. Je récupère mon ruban ici. Alors, voilà. Hop, c'est le papier pétale de rose qui est coordonné donc avec la collection. Hein. Voilà. Donc, je vais coller, moi, mon papier uni sur l'avant de ma carte. Donc, 13,35 par 10,15 pour le papier de matage. Même dimension que le papier murmure blanc à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Pour m'assurer que mon ruban sera quand même relativement bien centré, je vais trouver le centre, hop, mon crayon. Donc là, on est d'accord, on est... Je vois rien du tout. J'ai la lumière en plein. Ok, donc on vient se mettre à peu près à 5,4. À peu près. Donc on fait une petite marque. Je vais prendre ma règle. Comme ceci, à peu près. Comme ça, on s'assure que notre ruban, au moins, sera le plus droit possible. Je viens donc positionner mon double face pour tenir mon ruban à l'arrière. Comme ceci. Si vous n'avez pas encore collé de papier à l'avant, assurez-vous que vous êtes bien à l'arrière de votre carte. Voilà, donc j'ai ma carte comme ceci, mon papier matage, j'ai mis mon morceau de ruban de double face à l'arrière. Donc il viendra comme ceci, hop. Voilà, je m'assure qu'il soit à peu près égal. Voilà. Coucou Muriel. Je viens décrocher donc la protection de mon scotch. Hop. Je récupère mon ruban. Je m'assure qu'il soit posé le plus droit possible. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit morceau de double face sur l'avant pour être sûr qu'il tient bien, même si on va coller ensuite notre papier design dessus. On ne sait jamais. Donc, je prends un petit morceau de double face. Voilà. Ça fera une sécurité supplémentaire. De toute façon, ça ne se verra pas puisque notre papier viendra le cacher. J'en mets un petit bout ici. Je vais venir en mettre un second ici. Comme ceci. Voilà.
Comme ça, on est sûr qu'il va tenir. Maintenant, je viens coller par-dessus mon papier design. Voilà, on va un petit peu dans les coins pour s'assurer que ça ne soit pas corné. Vous avez vu ces pivoines, comment elles sont belles. Je viens centrer mon papier. Vous allez vous voyez, ça va retenir mon ruban. Voilà. Non, non, le double face, il ne transpirera pas sur le ruban, contrairement à la colle. La colle, vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc pour coller le ruban, la colle, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, en ce qui vous concerne, quand je colle du ruban, je préfère utiliser le double face. D'abord, ça évite d'en avoir plein les doigts. Parce que là, vous voyez, ce ruban, il est quand même un peu transparent. Donc forcément, ça va transpercer. Pas avec le double face. Et maintenant, il nous reste à venir mettre une petite déco sur notre carte, comme ceci. Pour celle-là, ah non, non, ça craint rien, hein. À l'arrière non plus. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour l'arrière, Isabelle. Alors là, vous voyez, on ne voit pas, hein, mon double face. Je suis pas sûre que vous... Enfin, moi, même d'ici, je ne vois pas les bords de mon double face sous le ruban. Si vraiment ça se voit, ok, si ça vous pose un souci, étant donné que vous n'avez pas forcément énormément de place pour écrire votre petit mot, rien ne vous empêche deux solutions, soit de mettre un nouveau papier design à l'arrière, identique à celui de l'avant ou pas, ok, ou alors un morceau de papier blanc, ok, que vous pouvez décorer pour pouvoir écrire également, voilà. Là, il y a plusieurs options possibles. Mais là, en l'occurrence, mon double face ne se voit, pour ainsi dire, pas à l'arrière. Ok. Voilà, je viens faire mon petit nœud. Comme ceci. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, il est vraiment super beau ce ruban. Je suis d'accord avec vous. Il se suffit à lui-même, je trouve. Hop, je vais prendre mes dimensionnels pour coller ma petite étiquette. Voilà. Merci beaucoup. Je viens faire ma déco. Youpla. Reste à savoir où est-ce que je vais le mettre. J'aimais bien l'idée du centre. Hop, par rapport à mon ruban, on voit là. Je vais coller des petites perles pour donner un petit côté brillant à cette carte. Je vais prendre les gemmes à facettes qui font toujours partie de la collection des Pivoines. Hein. C'est la même couleur. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais voilà, à facettes parce qu'il y a des petits reflets, on dirait des petits carrés minuscules sur chacun des gemmes. Vous voyez? Alors, je vais venir les mettre. Allez, je vais mettre ceux-là qui sont beaucoup plus brillants. Voilà, je peux me permettre d'en mettre des un petit peu plus gros puisque l'étiquette n'est pas toute petite. Voilà. Et puis, j'en mets un petit peu de ci, de là, sur la carte. Oui, ça brille, c'est beau, Fabienne. Hein. Youp là. Et un petit dernier en bas. Et bien, voilà. Hop, deux, trois petites cartes. Des cartes W, faciles à réaliser. Merci Dominique, pas de problème pour le replay. Je fais le montage à la fin du live pour incruster les mesures. Je le charge, ça prend un petit peu de temps, mais ensuite, promis, ça sera dispo. Je vais venir réduire un petit peu. Alors, je vais serrer mieux là, comme ça, que mon nœud soit un petit peu plus joli. Hop. J'ai du scotch qui colle.
réduire un tout petit peu. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces cartes? Je vous avais dit que c'était super simple. Hein. Voilà. Donc là, on a trois cartes faites exactement avec le même tuto, mais qui donnent tout un effet différent. Donc celle-ci, toujours pivoine pensive, sans ruban, voilà, qui reste ouverte. La seconde, dans les tons de vert, avec la collection Feuillage Infini, avec le brillant, le doré, l'embossage à chaud ici pour le sentiment. Merci Cécilia. L'embossage à chaud ici. Voilà, une carte qui se ferme avec le ruban. Et la dernière, nous avons réalisée ensemble. Merci Nathalie, merci Monique, Isabelle, Corinne, c'est gentil, vous êtes trop mignonne. Hop, donc la troisième se ferme également sur le côté. Voilà. Des jolies cartes pour des anniversaires ou des remerciements. Merci Christine. Voilà. Simple, hein, n'est-ce pas? Allez, je retourne ma caméra pour vous faire un petit coucou. Et bien voilà, j'espère que ce nouveau live créatif vous aura plu, que vous allez réaliser encore plein de belles cartes. J'espère aussi les voir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à les publier. Hashtag HarmonyScrap, ça me permet tout simplement d'être notifié pour pouvoir les voir. Je reçois toujours des superbes créations. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup de tous vos partages. C'est un réel plaisir pour moi, une grande fierté aussi de voir que certaines parmi vous reproduisent certaines de ces créations, même en plusieurs exemplaires. Simple et efficace, Christine, oui, effectivement. Isabelle, gros bisous. Corinne, avec grand plaisir. N'hésitez pas, merci Fabienne. Donc n'hésitez pas à publier vos créations, que je puisse les voir. Et puis, je vous rappelle donc la promo qui commencera le 1er septembre pour celles qui éventuellement souhaiteraient profiter des avantages en tant que démonstratrice, les deux sets de tampons, etc. Donc, je suis joignable et disponible pour répondre à chacune de vos questions et ce sera un grand plaisir de le faire. Est-ce que j'ai raté quelque chose? De rien, Cécilia, merci beaucoup, merci Muriel. Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, je vous fais plein de bisous. Et eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle réalisation. Encore une petite carte, mercredi prochain. La publication de l'événement, samedi à 10h, comme d'habitude, avec la liste du matériel dans l'événement. Voilà. Je vous embrasse toutes très très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde !